suis tombée par hasard sur quelqu'un qui vendait ce camion-là, exactement le format qu'il me fallait, pile la bonne longueur, pile le bon poids, qui n'était pas très cher. C'est un ancien bibliobus qui était en vente sur le Bon Coin. Je m'appelle Pascal et j'habite à Saint-Laurent-du-Pape, dans l'Ardèche. Et j'ai ouvert en 2015 une librairie ambulante qui s'appelle Le Mot qui roule. Mot qui roule. Est-ce que t'as choisi ton livre, c'est bon? Ah, comment j'ai connu Le Mot qui roule? Oui, on vient souvent, même des fois on la suit en fait. Je l'ai découvert en changeant mes habitudes, j'ai changé d'itinéraire et j'ai rencontré ce camion. Alors souvent je pars très tôt le matin parce que je fais les marchés, donc je pars entre 6h moins le quart et 6h quoi en général. Et voilà, je fais les petites routes et je m'installe sur les marchés dans les villages. Ça fait de l'animation dans le marché, ça fait un commerce supplémentaire. Hein. Et donc ça attire, ça fait boule de neige. Pascal, il y a le fait qu'elle se déplace et qu'elle vient à nous. Mais il y a aussi son amour des livres, quoi. Je pense qu'elle communique ça aussi aux gens. Je vais voir plein de gens différents, c'est ça qui est génial. J'achète tout là. Et maintenant, elle vient toutes les semaines. Et lui aussi, on n'est pas élu aussi. Le livre, c'est quand même un objet un peu particulier, donc ça crée vachement de liens avec les gens. Et moi, ouais, il y a des liens forts qui se sont créés avec mes clients, je pense. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Oui, elle a reçu beaucoup de conseils. Je trouve que c'est ça qui me plaît, c'est qu'il y a vraiment un échange. Et quand même, ce qu'elle nous propose, c'est autre chose. C'est Le Bon Coin qui fait une pastille vidéo sur Le Mot qui roule. Ça a changé ma vie parce que ça a changé vraiment ma manière d'être sur mon territoire, je pense. Et puis ça a changé un peu la vie des gens dans les villages. C'est super. C'est une fenêtre qui est ouverte sur la connaissance. Et des fois, ils montent dans le camion en me disant « Bon, aujourd'hui, je suis pas venu acheter des livres, mais je viens juste te dire bonjour. » Et ce camion, maintenant, il fait vraiment partie de la vie des gens.